Les quadrilatères. Qu'est-ce qu'un quadrilatère? C'est un polygone qui a quatre côtés. Voici un quadrilatère. Il a quatre côtés. Il a aussi quatre sommets et quatre angles. Maintenant, regarde ce quadrilatère. Il a quatre angles droits. Un quadrilatère qui a quatre angles droits est un rectangle. Nouveau quadrilatère. Celui-ci a quatre côtés égaux. Un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur est un losange. Maintenant, regarde bien celui-ci. Il a quatre angles droits, c'est donc un rectangle, mais il a aussi quatre côtés égaux. On peut donc dire que c'est aussi un losange. Ce cas particulier s'appelle un carré. Un carré est à la fois un rectangle et un losange particulier, car il a quatre angles droits et quatre côtés égaux. Voilà ce que tu dois retenir. Un quadrilatère qui a quatre côtés égaux est un losange. S'il a quatre angles droits, c'est un rectangle. Et s'il a à la fois quatre côtés égaux et quatre angles droits, alors c'est un carré. Maintenant, c'est à toi. Trouve les rectangles. Tu peux mettre la vidéo sur pause et nous nous retrouvons juste après. Les rectangles sont des quadrilatères qui ont quatre angles droits. Les figures représentées en rose sont toutes des rectangles. Maintenant, trouve les losanges. Tous les quadrilatères qui ont quatre côtés égaux sont des losanges. Voici les losanges en vert. Maintenant, trouve les carrés. Comme on sait que les carrés sont à la fois des rectangles et des losanges, c'est-à-dire qu'ils ont quatre angles droits et quatre côtés égaux, les carrés sont représentés par les figures bleues. Voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. À bientôt !